Alors bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition de la rubrique Invité du jour. Ce matin, comme annoncé, mon invité, Maître Samuel Madistin, on va commenter l'actualité. L'actualité dominée par ce troisième rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif relatif à la gestion des fonds Petro-Caribé. La fondation, qui est quand même en général prend disposition pour que il sorte ce rapport, ce qu'il aura le fait jeudi. Évidemment, il y a des commentaires que nous allons faire avec Maître Madistin sous initiative qui prend la gestion fonds et surtout rapport que la Cour des comptes l'y sortir. Comme ça déjà, il y a une pile d'interventions qui fait sur ça. Fondation Jiclerie toujours essayer d'aider nous comprendre, mais faire des recommandations tout par rapport à la question ça. Son plaisir pour nous recevoir Maître Samuel Madistin matin. Merci à tout le monde et pour fidélité nous. Quoique je me dis c'est presque sur le monde général, parce qu'il y a pile de monde et qui t'a souhaité que nous recevoir. Maître Madistin, en tout cas, nous recevoir le matin. Merci à pile pour écouter nous avec fidélité nous. Valérie Numa à l'antenne. Bonne écoute à chacun de vous. Maître Madistin, et bonjour, comment vous allez? Bonjour, moi bien. Bonjour à tout auditeur, à toute auditrice. Et Radio Vision des Millions, bonjour à les techniciens qui permettent que la privée joigne le public la matin. Bien content, et après tout ça passé dans la période Covid là, que je dis à me capable dans le studio. Oui. Et grâce à la technologie, tout à fait. Et pour nous participer à l'émission, ça c'est un plaisir pour moi. Maintenant, c'est certain que nous regardons, nous voyons le rapport ça qui sorti là. Nous sommes sûrs que nous-mêmes, en général, il y a une quantité de monde qui est toujours estimé que un point de vue et de Fondation Jiclerie ou bien de médecin même à distance fondamental. Et par contre, on a souhaité au courant que vous quantité de monde qui était souhaité que nous recevions comme invité pour qu'on aide pour ça. Bon, moi au courant, moi attendez, moi même qui a monde qui écrit, fondation, hein, qui souhaitait que nous intervenions. Et même, vous pensez que il y a deux bagages qui expliquaient ça. Un, même si nous voyons monde dans la rue à manifester, intérêt population hein, pour Bosséa, il est toujours vif. Moi, quoi, ça, mon, yo, vle, pour ces Petro-Caribéa. Yo, vle, que lumière faite. Yo, vle, comprendre ça que passe, ya. Et intéressant, il dit très vif. Deuxièmement, je pense que mon, yo, convaincu que pour ces Petro-Caribéa, pas qu'à faire, n'a voulu monter. Et je crois que son bagage qui pour faire, et pour gagner sérénité, et qui pour gagner compétence, qui pour gagner des lumières, qui pour permettre de positionner en connaissance de cause. Et à ce titre, Fondation Jiclerie toujours fait l'effort pour objectivement essayer de porter lumière pâle sous marge dossier A, sous compréhension de dossier A, et sous qui Jean monde doit comprendre pour ces affaires. Je pense que c'est ça qui lie nous avec le public là, avec le monde qui est intéressé à POSEA, qui fait toujours, chaque fois, chaque évolution de POSEA, il toujours l'état de nous. Ok. Qu'on a le troisième rapport là, il est sorti, et nous allons regarder de manière très, très didactique. Et la Cour des comptes décide, l'ivoyer, l'a déposé au niveau du Sénat. Et qui jugement fait de disposition ça? Bon, d'abord, je pense que. Ouais, affaire pour ces Petro-Caribéa son apprentissage, nous tout à fait. Et c'est ça qui fait l'important. Grand pile bagay, grand pile autorité, grand pile entité, grand pile monde, qui c'est première fois après yo, première fois après tande yo, et puis des fois yo pas tout nécessairement connaît tout ça vous fait. Ouais. Donc, coup de compte là, il décide comme si Sénat était pour une résolution qui était mandé faire audit là, et il décide que c'est Sénat avec le Premier ministre là, qu'il voulait bailler officiellement rapport. Ouais, alors que, non, objectif que le fixe tête lui-même, l'elle commençait rapport, il t'a dit que rapport ça la permet lui recueillir des informations, non seulement pour lui, mais pour d'autres institutions administratives et juridictionnelles. Si on dit ça, et dans rapport, ça n'est objectif lui. Mais en conclusion, il dit ça tout. Il dit que les bagages les joignent, qu'il veut lever des lits, la juger contre Mounsayo, la compléter, n'est-ce pas, et audition. Mais il y a des bagages qui parlent venus de lui.
mais d'autres institutions, lui dit ça. Il parlait de l'UCREF, il parlait de l'USCC, il parlait qui capable de croire. Et puis il parlait de la justice. Sous dit ça, sous croit que il y a d'autres institutions qui ont travaillé puis vous fait. Bon, c'est comme le café fait, sous, si on pas connaît, côté dit ça. Donc, ça veut dire que, objectivement, si vous voulez cohérent à tête, coup de compte là, tout le monde sait le visé, il était fait pour voir le rapport à bas. C'est-à-dire, au-delà de premier ministre là, son rapport pour quoi tu as décidé de faire une large vulgarisation. Bon, mais par exemple, pour qui ça président coup de compte là, je ne sais pas c'est plus pas ignorance, décider que, bon juge d'instruction qui est en charge de CIA, il dit que, qui mande officiellement pour Bali et rapport à Bézimbabwe. Vous comprenez comme si rapport à l'effet pour lui-même. Tandis que dans le rapport à lui dit lui-même, il dit, un objectif, c'est que la mettre à la disposition d'autres institutions administratives et juridictionnelles des éléments qui pour permettre, n'est-ce pas, faire lumière, faire le jour sous gestion pétro-caribéen. D'accord pour vous voyez le Sénat, d'accord pour vous voyez le président et le premier ministre là, mais pour qui ça pour vous pas voyez par exemple là, bah, ULCC, pour qui ça pour vous pas voyez par exemple bah, le parquet, puisque vous identifiez une bonne infraction de droit commun, vous dites ça dans le texte là. Pour qui ça peut pas voir ben, le juge d'instruction. Oui, monsieur, ça c'est bon détail. L'homme du détail, là, c'est que, et, puisque le document déjà au niveau du Sénat, il y a même une transmission qui a fait de manière automatique. Là. Non, ben, c'est ça, non. Pour qui ça vous pensez ça, puisque pendant le document tout là, oui, jour, il y a depuis près de 2 ans au juge d'instruction qui a enquêté sur Pedro Caribe, le document pour jamais venir à mettre officiellement. Son obstacle lié à la poursuite de l'enquête. De manière officielle. C'est-à-dire au niveau de la Cour des comptes, il peut l'aller. Il n'y a plus du tout le monde qui a intérêt. Sénat, t'es qu'à voyer le Cour des comptes, t'es qu'à voyer, mais ça me voudrait au coup juge là. Écrit le président quoi. Il m'a donné à voir le président quoi. Il m'a dit, je vais voir, je vais voir. C'est comme si je vais privé le livre, il secret. Donc, oh, il parle de Bali et lui dit que c'est la justice pour faire. Dans le même rapport. Ça n'a pas de sens. Ou quoi que son détail, mais il n'y a pas un détail, puisque le cas où il a dit la marque de l'instruction. Il a fait procès à durer plus. Le président a décidé de le confisquer rapport. Si le Sénat a décidé de le confisquer le tout. C'est-à-dire que pendant qu'on a parlé là, tout le monde a parlé, mais officiellement, le juge n'a jamais été touché du contenu des rapports, non? Des 3 rapports de la Cour des comptes. Il n'y a pas de détail, finalement. Comprends? Donc, il n'y a pas de logique. Qui a gagné dans le fait que rapport est disponible, rapport est fait, rapport a concerné plusieurs institutions, et c'est coup de compte qui dit ça, il y a une institution concernée, c'est la justice, parce que quoi dit que le juge des infractions de droit commun par relevé des compétences, il appartient à d'autres institutions administratives et juridictionnelles de faire le travail. Donc, si vous dites ça, vous voyez le bayo. Donc, faut mettre la disposition. On a prêté un aspect, on a dit superficiel, mais forme. Oui. La forme. Pas oublier que, en Haïti, en matière de procédure, la forme est aussi importante que le fond. Mm-hmm. Pour moi, c'est plus important. Oui. Des fois, la forme prime le fond. Elle prime. Parce que, au cas d'une situation que forme n'a empêché d'arriver dans le fond. Ouais. Ouais, parce que, une décision qui t'en prend sur la forme, qui fait empêcher, en matière de justice, qui empêche d'aller dans le fond. Mm-hmm. Donc, il faut que tout des aspects soient importants. Mm-hmm. Mais maintenant, on dit que, rapport arrivé devant le Sénat, qui ça Sénat doit faire avec elle? Sénat, qui est du bagage. On va regarder l'op, le rapport, et c'est ça, je pense que nous allons laisser faire maintenant. Par exemple, conseiller dans le cours de compte, il dit que il a analysé gestion en ministre et puis il dit la cour recommande que la responsabilité du ministre soit engagée. Ouais. Ça c'est dit au plusieurs côtés. Plusieurs côtés. Écoutez tout, il dit ministre de bien gérer tout, il est côté pas un peu. Par exemple dans gestion Victor Benoît par exemple. Moi quoi dit nous n'avons trouvé aucune irrégularité. Oui, il y a plusieurs côtés qui disent ça. Peut-être pas un peu, mais 3 ou 4 côtés. Oui, pour quelqu'un ministre. Ouais. Mais le ministre dit pour responsabilité l'engager. C'est dit le parlement, pas mal déchargé. Parce que gestion, c'est pas correct. Mm-hmm. Le parlement, il y a un, il y a soumettre la commission bicamérale de décharge qui pour étudier la question de monde qui a besoin de décharge. Mm-hmm. Et comme le
dossier a gagné des cas et qui concernait la justice des infractions contre faut Sénat transmettre les tout ben quoi commissaire gouvernement et pour le président. Ça veut dire que Sénat c'est lui qui gagne pour faire suivre ça pas nécessairement Sénat doit faire tout parce que juge là capable de joindre un document de plusieurs sources de tout le monde qui vient par exemple l'État haïtien porter le parti civil dans le procès comme parti civil quoi tu veux pour jouer le balitoui a dit balidel balidel général des époux et l'État avocat l'État haïtien comme parti au procès il est capable de tout transmettre dossier à un juge d'instruction oui. Donc Sénat qui vous fait et me penser moi même que coup de compte vous fait ok Kounia, si on m'a dit dans qui phase dossier Petro-Caribe qui s'en a dit aujourd'hui avec troisième rapport ça ok avec troisième rapport ça il y a plusieurs aspects pour considérer lors du dossier Petro-Caribe fondamentalement d'abord tout dossier parce que ça coup de compte fait comme rapport a montré de plusieurs dossiers Petro-Caribe qui fait pour faire l'objet de plusieurs procès Petro-Caribe. Qui ça pour nous comprendre? Et dernier rapport, FJKL, là, par l'homme public, moi, quoi, demain ou bien, en tout cas, ou plus tard, dans le week-end, non? C'est ça, nous, essayons de faire. Ça nous fait, c'est comme si rapport a son canevas de lecture de rapport ou des comptes là. C'est-à-dire, comment pour lire rapport ou des comptes là, comment pour comprendre, comment pour interpréter? Parce que son rapport de 1000 combien pages? C'est le troisième rapport, ou bien pour deux premiers. Si on vient nous dire que les conditions ceci, mais ça, ça le dit, ça signifie dans le monde du droit, dans le droit positif haïtien en matière de lutte contre la corruption. Ça signifie. Il faut qu'on fasse interprétation ça. Et bien, nous-mêmes, c'est ça, des CFA, ben, nous avons des outils pour interpréter le rapport. Gardez bien vous, hein, coup de compte dit dans le rapport là que, un, il y a des gens qui relevaient des compétences, il dit que l'IPRAL complétait audit yo, et il va juger contre yo. Ça, c'est pour la élite. Oui. Parce que c'est contre la juger, c'est pas mounio. C'est pas mounio. Deuxièmement, il dit, mais on ensemble des factions. Les cités, par exemple, passation illégale de marché, blanchiment des avoirs, enrichissement illicite, etc. Et puis il dit ça, il n'y a pas compétence pour eux. Les gens qui ont des compétences pour eux, ils arrivent les affaires, ils ont ça. Vous comprenez? Ça veut dire concrètement. Ça veut dire que il y a deux types, deux catégories d'infractions dans quatre gestions Petro-Caribéa. Et chaque catégorie ça yo a bail des types de procès. Premier type de procès. Toute infraction que quoi ouais. Non. Analyse dossier qui pas relevé des compétences li, c'est tribunal de droit commun qui font procès pour yo. Et c'est ça qui pendant devant juge d'instruction qui la on y a. OK. Tan bon exemple de ça ça veut dire ça ataka signifie. Si nous prenons un cas, vous prenez un cas par exemple, ministre Stéphanie Villedouin, du tourisme. Le ministre du tourisme, qui allait dans un non, programme à l'île à vache. Et puis le groupe fait des projets, il bail projet à près de 30 films. Près de 30 films. Donc, il y a un monde qui a dit, et la fête tout le monde vivre, lui va abuser, etc. Et puis, quoi a dit que, il fait fractionnement de marché. Mais si vous lisez ça, on ne peut pas comprendre. Ça veut dire, non? Vous avez dit? Fractionnement de marché, hein? Ça veut dire que, là, on a un marché public. Pour que l'État, qui a gagné un meilleur rapport qualité-prix, l'État fixé, on série de règles qui gens pour passer marché public, qui gens pour faire contrat pour l'État. Et qu'on monte en barème. Pour chaque type de contrat. Exact. Par exemple, les
et c'est des arrêtés que l'État prend fixé seuil qui fixé barème yo. Par exemple, on arrêté prend en 2009 par Préval, Goyon qui prend en 2012 par Michel Madeli. Par Préval l'a démité par exemple pour et pour marcher des travaux, limite pour faire contrat de gré à gré c'est 8 millions. Madeli vient monter la 40. Oui. Supposez que comme par exemple, je voulais faire 40 millions de gouttes pour me faire des projets. Des projets de travaux. Donc, faut passer par passation de marché. Passation de marché. Donc, comme vous voulez éviter passation de marché. Si qu'on y a, je vais 10 compagnies à 7 millions, 6 millions. Mettez-moi en dessous de 5 pour me faire passation de marché. Donc, je fais. Assez-vous, ça va faire un peu de bon. Ah ben, vous croyez l'air de la ville. Ah, vous connaissez ça, vous dit fractionnement de marché, a vous dit que son infraction, vous avez les passations illégales de marché public. Okay. Et qui punit de 3 à 9 ans de prison. Donc, l'effet ça, c'est contourner. Il contourne les règles. Ça engage les responsabilités qui est ministre, personnellement. Oh, t'as dit, mais t'es là, on est l'ensemble. Bon, ça, c'est comment il y a eu. C'est un bon exemple. La article qui punit passation illégale du marché, il dit quiconque attribue. Donc autorité, l'autorité contractante, l'autorité qui a passé contrat, l'autorité d'attribution, qui a attribué le contrat, approuve. Donc l'autorité d'approbation. Conclu, nous avons signé le contrat. Ou exécute. Délibérément un marché en violation de la réglementation relative à la passation de marché public, ils commettent une infraction qui doit être pour punir de la réclusion criminelle. Réclusion 3 ans, 9 ans de prison. Ça veut dire que ça concerne ni moun ici, hein? Qui prend un contrat, qui a payé un contrat, qui a attribué là, ni moun qui approuve là, dans le cas ça va être le c'est le premier ministre, ni moun qui signe, moun qui signe un contrat, ça représente l'État. Ni compagnie qui a exécuté, ils ont tout à fait pour punir ni monde qui représente la compagnie. Ils ont tout fait pour punir. Oui, mais sauf que. Votre dire me valait. Sauf que. Si moi-même, par exemple, moi qui me recevoir un contrat, je ne suis pas au courant que son fractionnement est fait. Non. La vie est responsable. Non, responsable. Parce que projet, ni la censé ignorer la loi. Projet. Pour exécuter ton projet pour l'État, intérêt l'État pour sauvegarder, il faut une évaluation de besoin. Qu'est-ce qui vous fait ça? Autorité contractante là. Mais voilà. Moi-même. Mais ou même dit, moi, je ne pas le signer, moi, je ne une évaluation. Parce que, il faut un document de projet. Oui. Il faut un document de projet qui dit, mais ça nous voulait faire, mais qui plan nous gagner, mais qui expertise n'a pas cherché. Mais qui résulte à la tonne et mais qui comme ça t'a coûté. Donc, ou même quand vous passez le projet avec l'État, c'est un bon exemple. Tu comprends le projet de dragage des exécutoires de la baie de Port-au-Prince. Ouais. Ça a mauvais comme fond. On pile l'argent. On pile l'argent. Et c'est la firme Représentation SA ou bien REPSA, REPSA oui. de l'homme d'affaires Rouven Bicho oui. Qui met firme ça. Qui joue un contrat ça. Voilà que son contrat pour fait à un appel d'offres ouvert. Il y a un bail de gré à gré. Ouais. Donc ça veut dire que. Ou grand vidéo de connaître ça. Il te connaît là. Il te connaît. Il va dire juge là. Ça va garder. C'est ministre là que vous connaissez pour balil. Donc ni mon qui balil là. Ni mon qui a prouvé le contrat. Ni même qui a exécuté le contrat. Il y a tout. Passible de sanctions prévues pour la passation illégale de marché public. Le problème a commencé à poser depuis la passation. Oui. Pas besoin de soucis, pas fait d'avis. Ça donne l'autre question. Oui. C'est-à-dire, parce que passation, projet à gain doit faire, il est exécuté normalement. Hein. Et puis, mais passation a été mal faite, il est sanctionné. Oui. T'as un bon exemple? Dans la zone de la caille, il y a un pont qui est fait. On prend vos piétons. Et puis on fait projet. Et puis quoi révéler que
c'est Estrella qui fait contre ça. Estrella qui fait le petit bon appel, vous donnez combien. Quoi révéler que avant ce démarrage là, d'après la loi, qui pas doit dépasser 30%, il était bas Estrella 60%. Premièrement, deuxièmement, avant ce démarrage là, fait pour garantir. Par un compte bancaire, quand ils mettent comme un escroc au profit de l'État pour remettre les projets, quand on a fini, il va avoir un document qui montre qu'ils ont fait ça. Et bien, ça, c'est une infraction, on a abus de fonction. À partir de ce moment, le monde qui fait ça, même les contrats à fait, il faut le sanctionner. Je vais prendre un autre exemple, ça, parce que je veux comprendre ça. L'affaire route par exemple, et ça peut arriver que je signe un contrat avec monde pour qui pour faire et accotement et seulement. OK, caniveau seulement. Si on film qui fait caniveau seulement, n'est-ce pas responsable de proposer ça par exemple. Ou bien faut qu'on ait faut ouais si contrat ça que bon là. Si c'est film qui recevoir contrat qui fait sous-traitance avec eux. Il est différent que si contrat parce que la loi fixe les limites sous traitance là qu'arrive quand elle arrive. On va on sait qu'on va pas dépasser. Mais si c'est autorité contractante là, mon cap passer contrat qui se peut pas faire appel d'offre ou bien appel par exemple à concurrence. Il essayer diviser marché là. Pour le faire contrat de gré à gré. À partir de ce moment, faut ta ou même faut qu'on ait que route pas de caniveau seulement. Faire route pas caniveau seulement. On va dire faire route depuis mon contrat pour caniveau et vous dire, mais qu'on est si des marchés ont été fractionnés, ils ont été divisés marchés pour te empêcher appel d'offres là, pour te contourner les règles. Autrement dit, pour te empêcher que l'État fasse bonne gestion de ses ressources. Ou amener exécution ça ou même tout coup babou. C'est pas mon qui bolie à seulement non. Parce que depuis qu'on a contourné les règles en matière de lutte contre la corruption, eh bien, il y a une volonté, soit pour bailler mon faveur, de toute manière pour ne pas protéger les intérêts de l'État. Et c'est ça, c'est dans l'esprit même, que le législateur, dans le cadre de lutte contre la corruption, punit, sanctionné. T'as un bon exemple. Et toutes les règles. Et unité de lutte contre la corruption frontière va être intéressant dans le livre, aussi guide le publier. Sous qui gens moun fait corruption, sous qui gens dans l'interprétation, dans l'application. Par exemple, de la corruption. Vous êtes corruption. Des actes de corruption. Des actes de corruption. Par exemple, on a des cas comme ça, qu'on a révélé tout. On dit qu'on va pas appliquer une loi d'urgence. On a fait un projet en matière d'urgence, dans une série de règles, ou bien éliminer. Ou bien il adoucir. Par exemple, obligation pour passation de marché, obligation pour venir à vide la cour des comptes pour bailler le plus vite, parce qu'il y a une urgence. Mais si on passe au contrat sous l'empire de la loi d'urgence, contrat signé, compte débloqué, et puis exécution contrat le fait, 10 mois, 12 mois après, pas de urgence, oui. Comment on fait une urgence pour me faire un contrat comme là? Donc il y a des cas comme ça qui. Oui, il y a des cas comme ça. Oui, il y a des cas comme ça qu'on va révéler. Donc, eh bien, règle dit que, donc, ban, par exemple, c'est que l'ULCC fait, ou qu'on est une loi nouvelle en Haïti, qu'on ne peut pas qu'on ait un procès, c'est pas le gros procès, pas le fait, tu vois, là. Et pour coup de compte, pour que coup de cassation, interprété texte, dit, mais qu'il y a tel problème. Mais que, eh bien, ça, ULCC fait grâce à l'appui de la Banque mondiale. Yo, gardez dans le droit comparé comment texte nous yo, comment l'autre juge de l'autre pays, en France notamment, interprétait disposition texte nous yo pour dire que, mais qu'il est, mais qui comporte mon gain, qui sanctionné par tel article dans la loi sur la corruption. Parce qu'il y a un texte, alors carrément, quand il y a un texte, c'est copié dans l'autre pays. Vous comprenez? Donc, si qu'on y a, ou appliquer la loi d'urgence pour contourner les règles alors que l'urgence n'était pas justifiée, eh bien la loi nous fait passation illégale du marché. Tant bon, on l'autre cas. Ou pour pas faire publicité nécessaire et suffisante pour jouer une compagnie pour passer.
passer pour qui vient participer dans appel d'offre là. Et puis des pour fin faire appel d'offre là pas gain publicité ou pas jeune monde. Ouais. Et puis sous base que ou échoué dans tentative pour faire appel d'offre pour fond au fond contrat de gré à gré. Par exemple dans contrat pour bout de canapé vert que l'État signe, que le ministère de la République signe avec vos bénéfices, ou à jouer ça, quoi dit, yon fait appel d'offre là infructueux. Yon passe fi contrat gré à gré. Mais là, on va un document projet, li gade l'oué pas de publicité suffisante pour te jouer un contrat. Donc, yon te vle de vos départs, yon te vle faire contrat de gré à gré avec vos bénéfices. Donc ils ont fait comme si ils respectaient la loi mais ils ont pas respecté le parce que fait ils ont pas fait publicité suffisante quoi dit passation illégale de marché des passations illégales de marché c'est toi le vent de prison pour tout le monde mais tout le monde qui a exécuté ni monde qui a approuvé ni monde qui mais et ministre qui même décidé de dire bon on va qui protéger on va le cacher d'elle parce que c'est on assemble les politiques parlementaires c'est les coups bombes décharge. C'est l'histoire que le ministre pense le couvre totalement. Ah, il va tourner sur la question. Où est-ce que la question va courir pour nous tourner pour faire répondre, il va répondre. Au ministre, il concerné par Jean Coudet contre la montre là. Il est concerné par plusieurs types d'infractions. Qui aime tout clarifier ça. Il m'a tout montré que un seul monde qui a fait l'objet d'un cadre procès Petro Caribéa, par exemple, de plusieurs procès. Pour le même projet, mais pour des infractions différentes. Mm-hmm. Ministre, pour toute action qui t'a supposé relever de la compétence de la Cour des comptes, lui, il faut attendre que s'il a refusé le décharge pour juger le pour action. Ça, yo! Okay. Mais pour tout l'autre fait, qui pas concerné infraction qui relevait de la compétence de la Cour des comptes, ministre a li ka jugé directement par le tribunal de droit commun. Qui t'aime prendre des exemples pour m'expliquer ça très clairement parce que c'est le nœud gordien du procès Petro-Caribé qu'on touche là. En réalité, il y a 4 infractions qui relevaient de la compétence de la Cour des comptes. Ou plutôt 5. Je dis comme ça parce que il y a une différence. Il y a 4 là avec qui on a séparé, il y a une différence. C'est pas doux. Infraction ça, yo, c'est infraction qui, avant que m'exerce poursuite pénale contre ordonnateur ou bien comptable là, faut que Cour des comptes prononce le sou yo. Je suis pas capable de faire procès sou yo. Sans coup de compte par un arrêt sur yo. Qui de débat qui de quitus? De quitus. Principalement de débat. Pour me poursuivre. Pour me dire de quitus, pas de. Quelle infraction yo yé? C'est détournement de fonds publics. Concussion. Vol. Malversation. C'est 4 infractions. Ça yo. C'est coup de compte qui est compétent pour les analyser. Compte! Un fonctionnaire de l'État, un ordonnateur ou un comptable, il va vérifier si pas gagné 4 bagailles ça yo. Si gagné yo, la prend un arrêt de débat. Si pas gagné yo, la prend un arrêt de quitus. 1. S'il rend arrêt de débat, mais ça moun pas connait encore, il exécutoire immédiatement. Ça veut dire que même si moun qui subit arrêt de débat fait pouvoir en cassation. Si il y a nécessité pour arrêter, il y a fait pour arrêter provisoirement. Pour tendre, pendant l'attente, arrêt pouvoir en cassation, le pouvoir pas suspensif. C'est-à-dire que le cas. Il y a toujours allé comme ça. Il y a toujours dit suspensif. Oui? Non, pas suspensif. Il pas suspensif. Et le texte là dit clairement. Si vous regardez les textes qui réglementaient les décrets de 2005 hein, sur le fonctionnement de la Cour des comptes, je crois l'article 11, il dit même que les recours en cassation contre les arrêts de la Cour en matière financière ou même en matière administrative ne sont pas suspensifs. Je dis ça. Okay. Ça veut dire que
si on rend on arrête de débat contre mon nan mon décide de faire pouvoir mais action publique là qui t'a met en mouvement ouais. Donc si on arrête ou get arrête ou être là pour un dépôt provisoire yeah. Donc le premier bagage ça pour que mon pas on est après en principe mm-hmm. Mais arrêt quoi c'est maintenant on fait que regarder là. Oui, Je vais vous dire, dans tout cas que nous dit là que ministre vraiment responsable est-ce que faut obligatoirement l'attendre que parlement prononce pour le bail des charges ou non avant même que mon cas dit ministre ça il va le faire prison non non parce qu'on va quitter dans la deuxième phase là ou dans quatre là pas oublier m'dou parce que passer parallèlement à quatre là m'balbon yon qui fait 5e dans pour de compte m'balbon neuf là qui va concerner bail ça même ça dépend de qui ça reproche le ministre là. Ou même, qui te mouille, qui te développe ça? Qui te développe ça pour vous comprendre? Pour quatre infractions, ça, yo, si c'est un ministre, faut que tant de parlement refuse le décharge pour faire poursuite contre lui pour faire ça. Yo. Et si le parlement va le décharge? Si le parlement va le décharge pour faire ça, yo, pas possible. Pour faire ça, yo. Okay. Pour quatre infractions, ça. Comment bien? L'autre infraction concernée par quoi? C'est ça où elle est, la faute de gestion. La faute de gestion sont différents liés à ça. Ça, automatiquement, il y a une responsabilité pénale ou civile qui est engagée, notamment dans la restitution des fonds détournés, amende à payer. Tandis que la faute de gestion, ça relevait de la compétence, je dirais presque exclusive de la Cour des comptes, qui lui-même sanctionnait, qui engageait responsabilité pécuniaire et personnelle de l'ordonnateur ou du comptable public. Sans que, il n'y ait pas exclu possibilité pour quoi transférer quand même arrêt que la prédiction arrêt de débénin. De faute de gestion, hein? Bail la justice pour les suites. Ouais, différence, il y a un tas de premières infractions, ça, et la faute de gestion qui fait 5 infractions qui relevaient de la compétence de la Cour des comptes, les la juger les comptes des administrateurs, les comptes des ordonnateurs, des comptables. À part infraction, ça, toute l'autre infraction de corruption, tant que la surfacturation, tant qu'on l'abus de fonction, tant qu'on l'enrichissement illicite, tant qu'on passation illégale de marché public, tant qu'on pot de vin, tant qu'on commission illicite, depuis qu'on joint yon moun, yon ministre, yon directeur général, yon secrétaire d'État, qu'on responsable de faute sa yo, ça n'a pas gardé coup de compte, il n'y a pas besoin d'arrêter bien pour ça. C'est procès tout de suite, c'est enquête tout de suite, c'est arrestation tout de suite, c'est bloquer fonds tout de suite, c'est mesures conservatoires tout de suite. C'est ça qui me relève le grand procès Petro-Caribé. C'est-à-dire que toute infraction nous dit là, yo, qui ne concerne pas les infractions qui relèvent de la compétence de la Cour des comptes, il faut que le procès fait pour vous tout de suite. Et le procès, ça, c'est un grand procès. Petro-Caribé, qui concerne tout type d'infraction de corruption, qui me cite là, tant que passation illégale de marché public, tant que délit d'initié, tant que abus de fonction, etc. Donc, ministre qui attend arrêt, attend décision parlement, pour faute de gestion, pour détournement de fonds publics, pour vol, ça, c'est un procès pour qu'on qui est obligé de tendre. Okay. Mais toute l'autre infraction qui n'est pas concernée, 5 infractions, je dis là, pas gain pour tendre parlement pas concerné. Pas yo. Est-ce que ça veut dire, je vais en parler là, et grand ensemble de monde que je croise dans la rue là, en principe, tu as supposé en dedans. Si l'instruction est faite normalement, nous venons de ça, oui, dans le rapport noir.
Si l'instruction est faite normalement depuis 2 ans, bon, l'instruction est faite, vous voyez toutes les autres choses faites dans le pays, et tout le monde, il y a plus inacceptable. Qui sont que jusqu'à présent, j'ai la pour un mandat de dépôt, par un monde arrêté, par un mandat d'amener, on va dire que c'est inacceptable. Ok, qui sont pensés de monde qui croit que, même là, on a parlé de procès, lui-même, on parlait qui sont un gros procès, qui pensait que c'est un tout. Il y a des gens qui pensent que c'est un tout. Il faut nous annoncer le grand procès de Caribe. Mais il y a d'autres gens qui disent nous avons pris un bagaille au cas par cas. Non. Il y a deux bagailles. Tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Première année, il faut le faire tout de suite là. Ça veut dire que c'est grand procès. Grand procès a concerné tout le monde qui fait facture, sur facturation. Tout le monde qui fait passation illégale de marché. Tout, ça, son grand procès qu'a fait tout de suite. Kabaka, c'est un monde qui va le temps d'arrêter de bébé. Parce que c'est Kabaka, les Saïwaliers, c'est chaque monde qui est jugé contre lui. Parce que ça va arriver. Là, par exemple, ou ton directeur général, ou ton comptable public, ou ton secrétaire d'État, ou ton questeur de la Chambre, ou ton président de la Chambre, et pour gérer un fonds Petro-Caribé dans le rapport, il doit faire tel des zones. Pourquoi juger contre ou renouer contre ou pour ces Petro-Caribé, rapport sur Petro-Caribé va suffire. Parce que ce n'est pas seul fonds ça de gérer, ou de gérer l'autre fonds. C'est ça nous est l'audit complémentaire. Il faut l'auditer. Si par exemple, dans le rapport 2A, coup de compte dit par exemple, il y a un fonds Petro-Caribé qui était dépensé mal dans la chambre des députés, dans le Sénat. Et puis il dit, mais qui est responsable? Il dit, change de chance. Il dit, dérangez celle-ci, bon. Mais quoi? Pas qu'à juger contre moun sa yo, sans le parler pour audit dans la chambre des députés à complet. Sans le parler pour audit complet dans le Sénat. Il dit, vous m'avez apporté plusieurs exemples. Donc, il faut s'enlever les audits complémentaires. L'elfine fait audit sa yo, l'a jugé contre moun sa yo, l'a prononcé arrêt de débat yo. Et c'est au cas par cas, on va le faire des procès pour moun sa yo qui gagne là-dedans tout dossier Petro-Caribé. Donc, moun qui dit cas par cas, c'est ça le dit. Il dit que, à côté du grand procès Petro-Caribé, il y aura d'autres procès Petro-Caribé pour des gestionnaires des fonds publics, mais au cas par cas. C'est exactement ça. Tout le monde a raison. Pour moi, par exemple, qui était ministre, parce que c'est ma chèche de compréhension publique, là. Au monde qui était ministre, il gagne des charges. Oui. Ça veut dire que l'IPA n'a pas dit exempt de. En quelle autre sanction, il n'est pas exempt. Non. Yeah. Des charges là concernées, pas oublier, 5 infractions. Ouais. Qui relevaient de la ligne de la compétence. Je ne sais pas si c'est ministre avec lui là. Qui a capitalisé sous des charges là. Non, il n'est pas capable. Qu'est-ce que tu m'expliques pour bien comprendre, Valérie? C'est moi qui suis ministre. Ou ministre. Dans la gestion, coup des comptes. Dit que gestion t'es bon. Supposez que dans le bureau où t'es bas au secrétaire en calotte, vous avez compté compétent pour ça? Oui ou non? Non. Eh bien, ça, c'est une question qui concerne une infraction qu'on fait dans l'exercice de votre fonction qui ne relève pas, qui relève de l'autre tribunal. Exact. Supposez que où t'es prêt comme imbattable, le pot de vin, ça relève de la Cour des comptes? Non. Cour des comptes compétent. Pour le vol, pour le détournement de fonds, pour la malversation, pour faute de gestion, pour concussion. Il n'est pas compétent pour pot de vin. Donc, si vous avez pris pot de vin, dans mon exemple, ou vous fait délit d'initié, ou c'est ministre des Travaux publics, par exemple, Valérie, moi, je suis ingénieur, je suis 100 millions. Voilà qu'un gros projet pas fait dans la zone Cameroun. Et pour bon document, projet A, pour me participer dans l'appel d'offres. Favoriser ça. Me participer, moi gagner. M'exécuter projet normal. Coup de compte comme ça. Ça c'est le délit d'initié. Je découvre me faire ça. Même si je fais bien travail. Parce que je fais délit d'initié. OK. Parce que pour qu'il soit me souhaiter bien travail parce que ou violer le principe de la libre concurrence. Ouais. Parce que les gens qui te gagnent peut-être gagnent à meilleur prix. Oui. Meilleur travail. Ouais. Ou empêcher l'État de faire ça. Faut plus nous pour ça. Même lorsqu'il y a des charges
pour 5 infractions je parle mais pour délit d'initié à part elle fait de la compétence de la Cour des comptes mais bien du tribunal de droit commun jour de pour vous faire vous arrêter vous faire au juge. Donc ministre des charges là ligue des charges ou bien support après le parlement ou bien le rapport favorable de la Cour des comptes c'est pour les 5 infractions qui relevait de la okay. compétence un, de la Cour des comptes. On dit cas de corruption ça y est, à savoir pour de vin, délit d'initié, passation illégale du marché public, etc. On dit pour de vin avec délit d'initié. Qu'est-ce qu'elle va le dénoncer? Non! Tenez-moi. Premièrement, vous cherchez à comprendre, c'est l'existence de l'infraction et possibilité qu'il y ait sanctionné Moun Boulé. Comment l'établir, c'est la preuve. Ça, c'est autre chose. Nous parlons l'État qui a fait abus. Dit, pour juger Moun, il faut qu'on établisse qu'il a fait pareil là. Il a dit, commissaire gouvernement qui a poursuivi la Moun, il faut juger des sucres qui a mené enquête là. Il faut venir à preuve. Il faut arrêter Moun, il faut venir à preuve que Moun a fait ça. Enfin, Moun a fait preuve, sauf, dans le cas d'enrichissement illicite, où le fardeau de la preuve est renversé. Mais ça, c'est Moun qui était dans l'administration de l'État. Et puis, ils ont constaté que il y a une évolution dans la situation financière, économique, li, train de ville, qui ne pas correspond à revenu légitime. Et puis, ils ont décidé que Moun a poursuivi pour enrichissement illicite. C'est lui qui pouvait prouver que il n'y a pas d'enrichissement illicite et que le revenu était légitime. C'est pas à l'État de prouver. Mais dans l'autre, tout autre cas, c'est l'État qui vous prouve ça. Par exemple, l'enrichissement illicite là, et c'est ça, je pense que ça travaille, ça a été fait déjà, oui, mais coulé contre attirer attention sur ça, je pense pour le faire. Faut que l'ULCC, par exemple, te garde déclaration patrimoine, tout gestionnaire de l'État qui était dans le fonds Petro-Caribé. Pour garder, est-ce qu'il a fait déclaration à temps, est-ce que déclaration est conforme à revenu, à niveau de vie, si il y a une inexactitude, pour soumettre, ben, juge d'instruction en charge du dossier. Pour l'infraction enrichissement illicite. C'est à peu près quoi dit dans le rapport là, il y a des infractions qui sont capables d'établir facilement par d'autres institutions comme l'ULCC, comme l'UCREF. Quoi dit ça? Oui. Vous donc, il y a des infractions qu'on fait. Le fait qu'on obtienne des charges là, pas effacer. Parce que c'est des infractions qui pas relevé des mouns qui t'a analysé gestion les tabou des charges là. Quoi y a bon des cas spécifiques que des travail sur yo que qui dans tête moi. On dit par exemple ma pour 25 stade de la Mathieu. Oui, OK. On dit ou prend on a qui te gain un film d'exécution. Oui. Il dit yo ballon contrat 10 millions de dollars pour un petit stade. Un petit stade. Et puis en réalité yo kembe même monsieur au casse même monsieur yo prend 6 là-dedans c'est toi ou ba monsieur. Oui. On a regardé chaîne de responsabilité sur le plan pénal par exemple. D'accord. On regarde combien de monde qui ca marié dans un cas comme ça. Donc cas comme ça. OK. Et quoi intéressant une bail ça et que quoi on va provisoire que quoi rendre dans dossier obligé matériel. Donc pile monde ça va. Comme ça ça. Vraiment? Faut regarder 10 millions de dollars combien goud li te faire dans moment contrat. Oui. Convertir en goutte. Regardez si il était dépassé seuil marché public là, dans l'époque là. Supposez que son bagage qui était fait, ben, la moitié fait en 2012-2013. Et seuil là, qui était monté à 40 millions de gouttes. Il est monté à 40 millions de gouttes, moins quoi, en 2012. En 2012. Donc, ça que fait avant 2011, etc. Ouais. Et ça que fait après arrêté, ouais. C'est 40 millions. Avant, c'est 8 millions. Ouais. Après, c'est 40 millions. Ouais. 10 millions de il quittait 40 millions, clair. Il était dans l'époque là. Oui, il quittait. Il quittait 40 millions. Oui. Faut que tu aies gagné avec l'offre. Oui. Qu'on y a, selon type de stade de votre FA, appel d'offre là, tu as ouvert, tu as registré, mais appel d'offre quand même. Oui. On a pris la garde pour garder Nexa. Est-ce que tu as un contrat gré à gré? Si tu as un contrat gré à gré, ça veut dire que monsieur déjà lui-même est coupable de passation illégale de marché public. Toi, 9 ans en prison. Passation illégale. Moun qui va marché, qui attribue là, il est supposé sanctionner.
moun ki approuve la. Par exemple, dans cas sa stadio, te genye, mwen c'était ministère pour opération et qui te a approuvé yo. C'était Olivier Kafe yo, mais approuvé des pensions, c'est le ministère pour opération. Ministre qui approuvé la, il supposé sanctionner. Donc, tout film qui exécute yo, supposé sanctionner. Qu'on y a, Koulia contre la rapport de la, dit que, pour responsabilité ou moun engagé dans dépense l'État, ou pas besoin de dépenser comme là, mais sous une influence dans le choix des films, etc., dans le choix de monde qui pouvait faire l'exécution, ou supposé sanctionner tout. Car c'est pour ça que refusé Olivier Matéli des charges là. Le quoi dit, monsieur était une influence dans le choix. Il n'y a pas qu'à dire là. Ça peut une fois, Olivier dit, il va t'abjurer. Ah, mais quoi dit non? Koulia continue, moi, avance, moi, reste. Oui, je connais. Koulia dit que. Mais lui-même, il conteste. Non, il dit, j'ai avocat, il dit comme défense devant quoi. Il dit, il ne va pas abjurer le fond. Il ne va pas signer un chèque. Il ne va pas donner la tête. Il ne va pas être comptable. Vous voyez? Koulia dit non. Ça ne suffit pas. Parce que sous tes gains influence. Qui j'en cas justifier et prouver influence là? Eh bien, ça va pas le prouver. C'est juge-là. Comment dire? Le rapport de m'établi prévio. Moi, je vais regarder le principe avant. Établi prévio. C'est le rôle du commissaire du gouvernement, le rôle, n'est-ce pas, d'un cas des charges là, de la cour des comptes, le rôle, n'est-ce pas, du juge d'instruction pour rassembler. Mais il m'a regardé, précis du avant. Vous comprenez? Donc, dans le cas, ouais, tout le monde sait, par exemple, il y a un rendez-vous pour 10 millions, il y a là 3 millions dans le monde. Et le monde qui a 7 millions, il peut devenir son acte de corruption qui n'est pas relevé de la compétence de la cour des comptes. Qui, son acte de corruption. Qui fait pour la devant le tribunal de droit romain. Ou comprenez? Ou même qui accepte 3 millions alors que le contrat a été 10 millions. C'est en connaissance de cause qu'on accepte. Ou entrer volontairement dans un acte de corruption. Ouais. Et ou pas rendu parce que tu as besoin de travail, parce que le film va le craser, ou pas créer le choix. Pas dire ça, non? Mm-hmm. Ou supposé sanctionner tout. Donc tout ensemble de Mounsayo pral fait l'objet de sanctions. Oui. Un deuxième cas. Mm-hmm. Et marché et poisson. Ah, yeah. Quantité d'argent qui est décaissé par rapport à travail qui fait yo, ouais, bah, rien pour yo, avec travail yo. Détournement du fond. Hein? Responsabilité. Okay. Oui, détournement du fond. Elle dit que si me dépense comme, car il y a plusieurs infractions dans le cas là, un, si me fait marché, m'a fait appel d'offres, m'a fait évaluation des besoins, m'a fait plan d'exécution, c'est sous base ça, m'a fait appel là, m'a dit mes projets, mais comment le prallier? Je vais vous montrer le projet avant de commencer sur ordinateur. Tout à fait. Et là, il finit pour parler de même genre. Oui, oui. Je veux dire, on va faire un cadre de même. Oui. Présenter le réel. Réel. Vous allez me montrer mon chita en demain. Donc, il faut que tu aies un premier travail ça. Si ça travaille ça, pas fait déjà. Et puis, ou elle fait passation de marché ou on pas fait passation de marché, déjà, tu as gagné en passation illégale de marché. Mm-hmm. Mais maintenant, si comme la sortie, au lieu de prendre un cobla pour faire travail marché au fond l'autre bagarre ou faire détournement au fond l'autre infraction. Ou fin faire passation illégale là qu'on a fait détournement de fonds. Ou car il a considéré qu'on fait abus de fonction parce qu'on exerce autorité pour bailler des avantages à des mouns en violation de la loi. Et les abus de fonction sont l'autre infraction liée. Ouais. Vous voyez? Donc, là ça. Ou carré ont ensemble plusieurs infractions qui concernaient le même projet. Mm-hmm. Ok. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cas, côté que, dans le cas, ça, par exemple, il y a une quantité de monde qui est impliqué en même temps. En même temps. Mm-hmm. Et non seulement plus, mais en même temps, il y a des infractions qui ne sont pas poursuivies sans coup de compte. Il y a des infractions qui ne sont pas besoin de compte pour poursuivre. On peut rire ça. Par exemple, il y a des vidéos qui ont été draguées. Oui. Et déjà, on a parlé de l'appel d'offres là. Il n'y a pas fait. Il y a fait le gré à gré. Ok, d'accord. Il y a déjà une passation illégale là. Ok. Qu'on y a, et moun qui dit qu'il n'y a pas même coup de pelle fait là. Très bien. Qu'on y a, qui ça comme là le fait? Si comme là le font l'autre travail, je vais te prendre la main pour faire l'autre travail au profit de l'État, c'est détournement. Si le travail n'a pas fait du tout, c'est le vol. Ok. C'est le vol. Là, ils sont l'autre infraction. En plus de passation illégale, Bachéa, mon prend comme là. Comme là dans même travail là pas fait, c'est vol. Mm-hmm. Donc, moun sa va le juger pour plusieurs infractions. Plusieurs infractions. Okay. Ponya,
ministre qui baille comme là. Parce que pas oublier, comptable public qui fait des questions au fait yo. Tout le monde sait yo, pral gen pour vol là. Pour yo passer soit devant la cour des comptes pour juger compte yo pour vol là. Ou bien devant le Parlement. Parce que qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ça tout bagaille ça est possible dans le Pétro-Caribé? C'est parce que le système de contrôle des dépenses de l'État, des recettes des dépenses de l'État, n'est pas respecté. Parce que qui ça prévoit? Ça, la loi prévoit. C'est que, au bon système de contrôle interne et externe, a priori et a posteriori. Si le système ça a bien huilé, il a bien marché, il est impossible pour te gagner à le Pétro-Caribé. Absolument impossible. Oui, mais yo même yo dit que chaque année yo fait et un bilan de travail qui fait au niveau de chaque ministère, etc. C'est la Cour des comptes dit par exemple. Non, 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 c'est audit pour le faire, audit général. Attendez, qui te m'explique? Qui te m'explique pour qu'à bien comprendre que ça là, en réalité, les responsabilités premières du système de contrôle non défaillant. Donc la Cour des comptes, entre autres? Non! Système de contrôle, pas seulement la Cour des comptes. Non, il y a entre autres. Oui, entre autres. Il y a trois niveaux. Qui t'explique où? Premier niveau, son contrôle interne. Son contrôle a priori. Qui relève des corps spécialisés de l'État. Par exemple, les contrôleurs financiers, les comptables publics. C'est-à-dire que pour un corps sorti dans l'État, il faut que toute vérification soit faite sous efficacité dépenses qu'a fait là par contrôleur financier et par comptable public là si contrôle yo fait yo révélé que dépenses n'a pas de fait c'est que la banque doit émettre okay. Ça c'est premier le contrôle interne de l'administration qu'on y a ou gain deux autres contrôles qui externe à l'administration qui ont même a posteriori la Cour des comptes c'est le contrôle juridictionnel c'est-à-dire que chaque année la Cour des comptes pour respecter le principe que le budget, que la décharge est annuelle. Autrement dit, chaque année, et Cour des comptes n'a pas manqué de capacité pour ça, faut que Cour des comptes, rapport fait la sous Pétro-Caribé, te fait pour chaque ministère, chaque direction générale, pour tout projet net, okay. Qui te analysé, te bon audit de performance qui te fait pour l'ensemble de l'administration de l'État. À ce moment-là, tout le monde qui te géré bien, tant qu'on a un cas où les comptables disent qu'il y a un fonds Pétro-Caribé pour le professeur Victor Benoît, par exemple, ils ont recommandé pour les gens qui ont des charges, que ce soit au Parlement, par le vote de la loi de règlement, qui t'a baillé tout ministre des charges qui méritait, sanctionner tout ministre qui n'a pas mérité. De telle sorte que, et puis, coup de compte lui-même, il t'a jugé compte de l'autre ordonnateur et comptable. Il t'a sanctionné, il t'a prononcé des arrêts de débat. Oui. Tout le monde qui s'est gagoté par année, oui. Il a pris devant la justice, il a quitté le gouvernement, il a pris et il a mis l'autre monde plus sérieux, tout le monde qui était sérieux, qui était géré bien, il a pris, il a même continué dans l'État. Tout le monde ça, il a pris dehors chaque année. Oui. Oui. Et Parlement a sanctionné lui-même, ça c'est le contrôle parlementaire, contrôle externe aussi, hein, a sanctionné le gouvernement par la loi de règlement. Et t'as dit, même ministre qui était bien géré, avant, tout ceci aurait dû être fait, Valérie, avant le vote du budget. Ah oui. C'est-à-dire que, ou bon mon budget 2015-2016, avant de voter budget 2016-2017, tout ça me doula la fin. Oui. Ou j'en vais ça fait? Ça pourquoi j'en fais? Moi, je me fais 10 ans la chambre d'un bois, je me vois, en loi de règlement. Ou même, donc si le système ça a marché correctement, pas ta bien scandale Pétro-Caribé. Ou ta quittant chaque année, contre qui moun qui bon gestionnaire, qui moun qui mauvais gestionnaire. Oui. Évidemment. Ça grave là, c'est que rien qui reconduit. Rien qui reconduit. Ouais. Évidemment, c'est tout ça, Mabdoula, concerné 5 infractions relevées de la Cour des comptes. Ou t'es capable de faire l'autre infraction de corruption, que ou t'as préféré si t'es capable de découvrir tout, et qui t'a permis que y ait d'autres procès qui fait déjà. C'est parce que le système ça n'a pas fonctionné. Il n'est pas bien huilé, qui fait que Barayo, comme on dit en créole, Jack sous Jack, a dit mon nous baillons monter négla, j'ai mal, il fait un an, il va dire, il fait 2 ans, il va dire, il fait 10 ans, il va dire, et puis, négla, ou garde la passer dans tout échelon de l'administration publique, l'idée directeur général, il fait gagote, il monte secrétaire d'état, il fait gagote, il vit ministre, il fait gagote, il monte premier ministre,
C'est-à-dire que parce que le système de contrôle des finances publiques n'est pas efficient, pas efficace, n'est pratiquement inexistant. Ça, c'est au niveau de l'État, gestionnaire de l'État, ministre, secrétaire d'État, directeur général, comptable, etc., administrateur. On dit le, on va le mettre au travail. On dit qu'on a un contrat aussi, mais qu'on y a la réception des travaux. Avant même que dernier chèque la sortie, en général, gagner équipe qui fait supervision, hein, oui. qui présente un rapport, oui. qui dit tout bagaille correct, mm-hmm. et puis lui recommande que oui. yo ba chèque là. Yeah. Est-ce que ça allait même qui responsable supervision, quand il chita, l'abdomen, la boire café, non, etc. Non, il responsabilité. Il faut parce qu'il participe à l'exécution des travaux. Mm-hmm. Les superviseurs participent à l'exécution des travaux parce que c'est lui qui contrôle au nom de l'État et qui fait des recommandations. Parce que pas oublier que n'est qu'à exécuter le travail pour l'État, en principe, il suppose gagner des garanties d'exécution, c'est ce qu'on appelle la garantie de bonne exécution. Oui. On comme qui ferme. Pour mettre lui comme ça, faut superviseur, moun qui a fait supervision travaux, moun qui recevra le travail final là, il y a tout le rapport que tout le bagage a été bien passé. Mm-hmm. Donc, moun a, soit qu'on y a les garanties au fait, moun n'en pas baille garantie de bonne exécution hein? et puis ou bal marché quand même ce qui est une faute mm-hmm. moun ki bal il l'a fait pour sanctionner abus de fonction comment ou bien moun travail l'a pas fait l'état perd du cob et puis parce que moun ki était là pour faire travail ou pas de faire faute de gestion mm-hmm. dans tous les cas l'état pas droit perdre faut que li yon cob li et faut que moun yo sanctionné dans mm-hmm. tous les cas. Mm-hmm. Bravo, M. Badistin. Raison pour laquelle j'ai toujours voté contre le budget. Le Parlement a été aux différents détournements de fonds et des vols spectaculaires. Ils doivent aussi être sanctionnés comme les dilapidateurs. Message de Sylvain Benoît. Oui. Gros auditeur qui dit, dans le dossier d'Amalog là, est-ce que Première Dame n'a pas parlé du même problème avec Olivier Matéli parce qu'il était avoué dans une vidéo que le TNP. Quelle bonne influence. Oui, coulez-vous, ça, c'est une grande première que les. Moi-même, quoi, ça m'a tenu? M'a tenu que avec sa ronde finale là, et que, gon recours fait en cassation pour cassation vienne consacrer Baraïsa comme norme. Parce qu'avant, t'as rien, non? C'est un premier arrêt du genre, tu vois. Mm. Parce que ça qu'on fait avant, la Cour des comptes, c'est qu'on uniquement gardé non juge sur pièce, la Cour juge sur pièce, au bout de papier valide, comprenez? Tandis que, et c'est le raisonnement, c'est-à-dire conseiller instructeur de cette affaire, la Cour a pas qu'on gardé, des fois, moun ka pot pièce, ba ou a, li moins coupable que moun ka influencé là. Et vous sanctionner, n'est-ce pas? Comme un exemple bien simple. Alors, il y a des cas dans le passé. Et la députée, il y a des bons comme dans le ministère de coopération externe, etc. Mais elle va administrateur. Il va comprendre. Il passe par la mairie de sa commune. Et puis, le magistrat prend un chèque là sur nos mairies. Et puis, remettre-le. Oui, ça a fait souvent. Et puis, député. Il y a des députés qui ont cherché le magistrat. Il vient avec lui. Il vient avec lui. La pelle traversée de la rue, etc. Il prend comme là. Et puis, député maïsia a changé chèque la Bali, il prend un problème, maïsia va en goud, et puis Léo dit, par exemple, on dit, il y aurait pas de pièce justificative, et dès tout le monde de fond. Laisse à maïsia mettre 2000 en tête. Et maïsia dit moi-même, c'était député. Et puis, quoi qui était député à aller? Vous avec arrêt Olivier Matéli, il y a quoi? Alors, on dit, pas qu'on le fait un coup, mais la mort son coup. Pour le dire que, ni moun qui a une pièce, qui est adoué. Ni moun ka influencé yo, aussi responsable. Donc, moi-même, dame a resa, qui me consacré comme norme, comme principe. Ou même si te consacré comme norme, comme principe. Olivier Matéli, arrêt a sorti. Olivier Matéli a dans toute activité, non? Non, arrêt, non, on y a, son arrêt pour vivre, j'en sorti. C'est pour arrêt de bé. C'est arrêt de bé, mon cher, l'église de Nazé. Même les gampils, gende arrêt, pas gampils, mais gende arrêt de bé, sorti, moun yo, pas ronè, qui arrêt de bé, pour y couvrir, quand ça se passe, pas suspensif. Commissaire, on est non, je vois qu'on est pas fait suivi, non?
comprenez? Il va connaître, non? Ou mais ça son minimum, bon, je connais, non? Bon, ça, bon, Valérie. Ou mais son choix, il est au choix. Il est au choix, il est tout. Au moins, de mon commissaire gouvernement, pour nos présidents, moi, qui dit que. Et puis, on va lancer des substituts, pas qu'à faire travailler, il aime du commissaire. Mais, on dit, c'est pas qu'à faire, commissaire, on va qu'à. Il dit, mais, Badistin, je suis le capitaine, je ne suis pas l'entraîneur, je n'ai pas le choix des joueurs. C'est un sort de guerre. Où jouer? Et ça qui me messie là. Donc, il y a des systèmes dans ce conseil des gens liés à l'église. Qui est-ce qui arrive, Olivier Matelli, pendant Julia? Après, arrêt ça, même si le provisoire. Arrêt ça, son arrêt, alors dit arrêt, son arrêt, tout le problème est un thème technique avant de dire droit. Oui. Il est arrêt avant de dire droit, c'est-à-dire que, ou dans le tribunal, il y a une question de forme qui est posée. Une enquête qui pour compléter, une instruction pour continuer, et puis quoi dire, pas prendre un arrêt définitif, la m'ordonner telle mesure faite. C'est les mesures fines faites pour bailler, ou moins, pour prendre un arrêt définitif. Dans le cas Olivier, c'est un arrêt avant dire droit. Mais dans l'arrêt avant dire droit, il y a un bon raisonnement qui fait. Pas tellement dans l'arrêt, non, mais c'est plus dans le rapport du conseiller instructeur qui a donné lieu à cet arrêt. Et dans ce rapport, le conseiller instructeur a dit effectivement a développé une théorie disant que celui qui influence les dépenses est aussi responsable que celui qui exécute les dépenses. Voilà la logique de l'arrêt. Donc c'est même sanction de Gabriel. On dit aussi responsable. Oui, bien sûr, même sanction. Parce que, ou pas, ouais, donc c'est même ça, on a aussi des scandales comme ça à la Chambre, non. C'est-à-dire ce qu'on appelle en France les emplois fictifs. L'Eglavine, il m'a dit où ou gen doit gagner 10 consultants, 5 consultants dans le bureau, monsieur sénateur, député, bon nom, nèg, mettez non. Et puis là, il va chèque, il me dit, pour chèque, moi. Je chèque, moi. Mais si m'a gardé, si m'a jugé sur pièce, moi, ouais, chèque ça, tel nom, mes gens, tel l'autre, tel nom, mes petites tantes, tel mental, tel nom, Marie-André, etc. Mais tout comme ça, en réalité, t'es abouti. Non, compte tel sénateur, tel député. C'est même genre. C'est-à-dire que si le secrétaire d'État m'a influencé le choix de quelqu'un pour un projet, n'est-ce pas qu'on est, s'il t'a un appel d'offre, il n'y a pas de aucune chance pour le passer. Si pour te respecter les règles, il n'y a pas de plat. Si pour te garantir de bonne exécution, il n'y a pas de gagner. C'est moi qui favorise ça. Donc c'est normal, ça vous sort de dire que le projet a 10 millions et puis me dit mon cher, c'est 7 millions en bas où? Qu'on y a, je ne vais pas supprimer les 7 millions et puis me quitter les qui prennent droit, non, les qui fait ça, non. Donc, il est aussi responsable. Maintenant, qui gens ou qui a vérifié ça? Dans quelle façon? Il y a une façon qui a vérifié ça, c'est l'enrichissement illicite, qui c'est une meilleure façon pour vérifier si fonctionnaire de l'État n'a volé. C'est-à-dire que les là, vini là, n'est la vie de ministre. Mais le passe dans si elle est ministre. Tout le monde te connaît. Il te gon passé. Il te gon histoire. Il te connaît l'argent la banque. Ou ka gade sous 5, 10 dernières années, combien cob il te connaît la banque. Ou te gade dans DGI, combien papier tête te fait sous nom. Combien caille. Et pour gade ou est revenu augmenté de manière démesurée. Et augmentation de revenus, yo correspond à l'entrée dans le job là. C'est l'enrichissement illicite, oui. À partir de ce moment, tout autant monde n'a pas établi que l'enrichissement illicite. L'État va même baiser pour vendre, non? L'État baiser seulement. Gardez à coup de ULCC. Qui ça moun n'a te déclaré le dégain? L'aide à prendre le job là. Comment vous faites au niveau du Parlement pendant ce dit Sénat, ça va passer dans le Sénat. Il y a plusieurs monde qui connaissent côté par exemple qui disent que yo c'est cousin un député, yo c'est cousine un député, etc. Yo apprennent que yo gagne peut-être plus que 2 ans, gagne chèque cap sorti sous nom yo, etc. Et puis bon il pas maintenant là-dedans, etc. Bref, détournement de fonds. Oui. Et puis vol. Oui. Maintenant, bon dieu. Moi lis une lettre que moi un sénateur écrit parce que yo c'était non dans titre de bail ça yo. Côté lui confirmer que effectivement, c'est le Sénat qui autorisait que yo baye non au monde pour permettre que yo passe un cob pour gestion bureau dans la province. Comme c'est le Sénat qui autorisait ça.
Ça va grave, non? C'est comment pas grave là? Comment dit pas grave là? Ça veut dire que. Non, la question, bonjour, c'est pas grave. Oh, Valérie, ça veut dire que. Ça veut dire que. Au-delà de sénateur, ça. Qu'est-ce que c'est sénat? Président sénat, responsabilité, pas engagé. Ok. Allez, gars, quoi qu'on fait? Au-delà de sénateur, prends comme là le détournel là. Mais le patap, je l'accès à ça comme ça pour le détournel. N'était l'influence, n'était le questeur ou le président qui était violé des règles. Vous comprenez? Qui fait même yo fait. Ont fait, on a but de fonction. Vous comprenez? Sénateur, président sénat, questeur sénat, on a but de fonction. C'est-à-dire que yo permet un sénateur entier, font comme qu'elle pas de droit à lui au regard de la loi, mais yo même yo utilisé fonction yo, oui, pour permettre ça arriver. Ça relève à but de fonction. Vous comprenez? Comme ça, sénateur, député, président, qu'est-ce que fait ça? Vous pouvez participer dans la restitution, oui. Ni dans le pays amende, oui. Ni dans la prison, oui. Vous comprenez? Je n'ai pas l'état, vous comprenez? Si pour ça, il va faire le travail, je dois faire. Donc, mais qui, Jean, loi sur lutte contre la corruption, arsenal juridique contre la corruption, ils ont fait pour en sorte que l'État vienne en bagaille pour le monde propre seulement. Question qu'on est rentré dans l'État. Pauvre tant qu'on job, et puis il sorti riche tant qu'on Christus là, joui à respecter loi ça yo, joui à respecter yo, ça finit. Ou quand dit on est vin pour un job dans l'état le courir, il peut. Parce que l'ouè responsable, c'est comme si le policier est derrière lui tout, à 24 heures sur 24. Même les abdômes, il sorti, souffle la police là dedans, comme si l'ouè minote la prêle. Ouais. Joui à pas dire ça, oui. Allez, de tel sorte. Mais quand ça a lui-même par exemple. Un dîner à Vini, il dit, fais chaque la promotion dans tel monde. Qui responsabilité, parce que je traite de ça, qui responsabilité, monde qui accepte de faire chaque la promotion dans le monde? On lui responsabilité, on lui complice, les mounes. Il connaît pas de accepter ça. Il complice, qu'on y a, dans le procès, mounes ça, Sylvie fait déclaration, que la fête de l'État avec Rio, la loi dit, mounes ça a contribué pour l'État sanctionné des pratiques inacceptables, la loi dit que juge qui a jugé est capable d'adoucir la sanction. Moun sa. Moun sa bon peine qui moins de ben que ça le tag en toi. Ben pour cas concret. Bon dossier qui éclaté là entre sénateur Kedley Augustin, oui, et ancienne secrétaire li et Béoti Lucas. Béoti expliquait que sénateur a qu'on fait pour faire chèque sous nom, mais pour le déposer, et puis après ça, pour qu'on blâle sous compte sénateur. Oui. Qui responsabilité Béoti dans ça? Les grandes responsabilités. Et son monde qui parle avec nous, la fondation, nous ne nous pas faire rapport sous cas-là. Les grandes responsabilités. Les pas capables d'ignorer. Que son acte de corruption qu'il l'entraîne. Et qu'elle entraîne un acte de corruption. Il va ignorer ça. Les grandes complicité. Non, acte d'entrée là. On y a. Mais j'ai la fait là, la livre, c'est celle qui est là. Non. Ça arrive, ça arrive tout. Ça dépend de qui j'ai des défenses, les montrer. Vous comprenez? Ça dépend de qui type de défense que le gars. Parce que qui ça arrive? Il fait premier pas, il fait dénonciation que la loi protège comme un monde qui dénonce un acte de corruption qui méritait que. Il méritait que yo clément. Mais c'est le mot. Okay. C'est le mot qui utilise même pas la loi. C'est-à-dire que la loi qui a fait preuve, la justice peut faire preuve de clémence vis-à-vis de Mounza. Premièrement. Deuxièmement, s'il a établi que telle non situation, que ce n'est pas un choix volontaire qu'il a fait, sous pression, qu'il a fait une pression à laquelle elle ne pouvait résister, il va y avoir complicité. Parce que cette complicité a supposé un acte volontaire à la perpétration de l'infraction. Donc, au cas où est dame ça, ça dépend des gens, défend tête li, dans le cabinet d'instruction, dans la justice, etc. Ou capable ouais que clémence li a capable aller jusqu'à l'effacement de la peine, de la sanction en ce qui la concerne. Mais ça, c'est pratique dans la défense. Ouais. Question d'auditeur, mais ça, c'est l'ancien ministre qui écrit là. Est-ce que l'on peut arguer que le fractionnement était nécessaire vu le terrain, vu la diversité des actions, etc. Je ne comprends pas qu'on puisse parler de corruption si tous les travaux ont été exécutés correctement, si tous les bénéficiaires des contrats ont payé leurs taxes comme il le faut
et si la communauté a correctement bénéficié des projets. En quoi l'État a-t-il été lésé? Ok, voilà. Ça, c'est l'ancien ministre. Ok, d'accord. Fractionnement, pour qui ça sont actes de corruption, c'est parce que les favoriser décideurs pour contourner la loi sur la passation de marché. Les violer le principe fondamental de la libre concurrence. Mmh. Et ça, c'est fondamental en matière de passation illégale du marché. Quand on fait le marché public, l'objectif premier, c'est garantir la libre concurrence à tous les acteurs. Sa ministre l'a dit, pas rien dit, si je t'ai fait passation de marché, que je vais faire le même travail yo, avec la même qualité yo, pour un meilleur prix. Le binôme qualité-prix n'est pas garanti quand je fais le fractionnement du marché dans le but, n'est-ce pas, de contourner les règles générales de la passation de marché. Donc, c'est peut-être ça, Mounsa, ministre, a mérité sanctionné. Parce qu'il fait fractionnement dans le but de contourner les règles établies. Le ministre est là pour exécuter la loi, pas pour les contourner. Mm-hmm. Monsieur Dumas, est-ce que vous pouvez demander à Maître Madistin pour moi de faire la différence entre lotissement de marché et fractionnement pour les auditeurs, s'il vous plaît? Très bien. Lotissement par fractionnement. Lotissement par fractionnement. Lotissement, c'est un coup. M'a fait exécution, par exemple, ma fond route. Port-au-Prince, Jérémy. Mm-hmm. Mais. Ben, il est par l'eau. Par l'eau. Nous prenons ça. L'eau 1, l'eau 2. L'eau 1, l'eau 2, l'eau 3. M'fait appel d'offre là, par l'eau. Tel film pour tel lot, tel autre film pour tel lot. C'est lotissement de marché. Ça, ça pas interdit lui-même. Vous comprenez? Fractionnement, c'est comme des projets à vous faire, moi, des comme là, je pas voulu faire appel d'offres, multiplier de petits contrats pour le même projet. Fractionnement. Donc, passation illégale. Et, dans le lotissement, CNMP était revenu pour chaque lot. Tandis que dans le fractionnement, c'est contrat de gré à gré fait pour ne pas faire appel d'offres. Ok, ok, différence claire. Okay. Oui. Monsieur Numa, m'apporte une petite précision pour collègue là. Et ça, c'est soit un avocat ou bien un juge. Oui, oui, peut-être. Juge d'instruction a instruit. Il ne doit pas mettre mon nom en détention. C'est le juge qui décide. Okay. S'il veut arrêter, s'il ne veut pas arrêter, ça c'est. Ok. Ouais. Et Gonzalez qui dit, par exemple, dans le cas ferme, le sénateur La Tortue, par exemple, côté l'argent est prêté pour un bagage, il a fait un autre bagage. Ça, bon, ça va attendre même. Okay. C'est pas vrai, mon cher. L'argent n'est pas prêté pour un bagage, il faut le bagage. C'est pas vrai. Mon Dieu, pourquoi ça arrive à Haïti, Valérie? Tout le monde parle de ça ou pas qu'on est. Tout le monde dit n'importe qui bagaille. Bon, moi, qui aime tout ça que je vais plus me connaître, c'est ça, c'est mon avocat de CIA. Ouais. C'est ça, t'es un monde qui a dit dans la radio. Il dit, t'es tout le monde de fond, parce que vous prêtez comme là, pour vous maquette, vous arrivez, aïe, maquille, la comptable, comme là. C'est pas vrai, non. Pas que ça, non. Qui ça, le bail, ferme la tortue, aïe. Gagner un programme qu'a fait. Les programmes non on a mart on a pharma mais déjà ça nous ne pas comprendre nos programmes sont multiplication des projets sont bons projets dans programme non yo gain un certain nombre de projets trois projets construction de supermarché au Gonaïve renforcement de marché à Pétionville construction dans nos marquettes et à Tchoucho. La dame Immaculée Cantave, qui est la mère du sénateur La Tortue, s'est engagée dans un avant-contrat pour la construction de marché au Gonaïve. Alors ça, oui, les avant-contrats, en plus, nous n'avons pas connu, nous n'avons pas connu. Ça veut dire que si je signe un contrat, Valérie, assorti d'une clause suspensive, c'est donc qu'on me là, me dit Valérie, nous connaît où c'est directeur radio. Et quand je me donne les campagnes, Platinum. Platinum FM, maison job comme journaliste. Et pour mon contrat, je dis, mais je m'engage comme journaliste radio Platinum pour 5 ans, pour tant qu'homme, à condition qu'on compte un diplôme en communication, bien journalisme.
Monsieur Rosa, mais contrat pourquoi exécutoire tant que beaucoup vos diplômes ne bas ou non? Ok. Parce que le contrat est assorti d'une clause suspensive. Contrat avec une prend exécution, une prend effet à partir du moment que je me satisfais à la clause suspensive. Mm-hmm. La dame immaculée, ça s'appelle un avant-contrat. Ok. L'avant-contrat ne fait pas naître les obligations réciproques entre les parties. Sauf si dans le contrat, il prévoit une clause de pénalité d'une fait de ne pas passer à la phase supérieure. Mm-hmm. Ce qui n'a pas été le cas dans l'avant-contrat de Madame Immaculée Cantave. Immaculée Cantave, qui prend le fonds supermarché Gonaïve, lui fait nos évaluations, mon ingénieur qui dit, il y a des comptes courants, Gonaïve, 18 heures de temps par jour. Jeudi, c'est 4 heures de temps. Pour fond market fonctionner, pour entretien, etc. J'ai un minimum de génératrices. Ou besoin de gros génératrices. Ouais. Génératrices, ça a coûté 10 000 dollars américains par mois. Pour gaz, pour carburant, pour entretien. Il fait calcul, si vous le dépensez 10 000 dollars américains pour carburant seulement, maquette là, pas rentable. Oui. Donc, à ce moment-là, il était gagné pour prendre une hypothèque en faveur de l'ONAP. Il était bal comme là. Il décide de ne pas prendre une hypothèque là encore. Il n'a pas bail hypothèque là encore en faveur de l'ONAP. Il écrit l'ONAP, il dit pas intéressé à projet encore. Oui. Fini. Parce qu'aucun engagement l'argent pas. Il va toucher comme l'argent pas mettre à sa disposition. Elle avait une clause suspensive. Elle l'a signé qu'on avait un contrat. À ce moment-là, projet a commencé à exécuter par l'autre partenaire qui touchait comme bio, qui commençait à exécuter le projet. Ouais. Et puis, comme pour supermarché, pour l'autre partenaire, supermarché Gonaïve, il a été bloqué par un notaire. À ce moment-là, dans la relation de contact avec l'ONA, la ferme Yuri La Tortue a accepté de prendre le montant pour mettre le développement ferme Yuri La Tortue. Laisse ça. Combien de corps goblaye? 70 millions de goudes. Combien de corps la voix des associés dans l'état financier au soumet l'ONA pour montrer nos caprites comme ça? Combien de corps lié? 60 millions de goudes. Donc ça veut dire que. Mais pas qu'il y a une collision là? Non! Ok! Parce que ça veut dire que c'est critère financier qui établit. Comme bien droit faire près ça parce que logiquement ça n'arrive aucun pays du monde que de côté pas que pas garanti du tout zéro que de côté c'est 5-10% que de côté c'est 30% maximum même dans l'ONA pour des prêts hypothécaires pas des placements non c'est 30% moi même nous avons plus que 60 millions sur 70 donc l'ONA à ce moment là décide parce que qui s'intéresse l'ONA qui doit légalement intéresser l'ONA. C'est la sécurité d'abord de son investissement. Qui ça est intégré? 3%. Mais il y a un peu de monde qui dénonce ça à tout. Le fait mon monde qui va comprendre. Oui, mais non. Et non, même monde qui comprend qu'il a dénoncé. Non, pas grave. Aucun monde comprend pas. Finis pas parler. Finis le comprendre. Non, mais ok. Non, laisse-le parler d'abord. Non, on va vous tirer par là tout. Si vous comprenez. Non, on va vous dire. On va vous dire. Si vous êtes d'accord avec vous, je vais dire. Ok. Si vous êtes d'accord avec moi, on va vous engager pour dire. Je vais vous garantir que vous êtes d'accord avec moi. Ah, ben là, ton problème est là. Ok. 3%. Oui. Et puis, on a un bail dans un bon BRH. Qui lui même abonne 7%. M'gane fait ça. M'gane prend l'argent ça là on a et puis me déposer dans BRH. Non. OK. Non. Non, négatif. Qui te m'explique? Parle trop long non parce que ça va être très simple. Non, parce que ça. Qui te m'explique? Et mal bon cas spécifique. L'argent l'ONA. Généralement qui ça au favel. L'argent l'ONA son corps bio quitté dans banque centrale qui a rapporté 0% d'intérêt. 0. Si on prend un cob, je dis, dans main employé, mettez la banque centrale. Après 10 ans, il perd au moins la moitié de sa valeur. Il va faire fructifier l'argent, n'est-ce pas, des contributeurs de l'ONA. À un certain moment, l'ONA vient comprendre la nécessité pour le faire fructifier. Ses avoirs. L'ONA a décidé la fait des placements ou des prêts. Tout ça, c'est réglementé en grande partie par la loi. Ça, c'est la première loi après le venir sous prêt hypothécaire en 1974 avec un décret de Jean-Claude Duvalier.
la loi de 1967 pral permettre que qui gens y utiliser les fonds de l'ONA. À ce moment-là, l'ONA fait des choix pour lui capable faire fructifier ses avoirs. Dans mon exemple bien simple que vous parlez en pile de lui. Je prends le cas par exemple du contrat ONA Auto Plaza. Du Goubloss, que je connais très bien participer au départ dans l'évaluation du contrat. Contrat dit l'ONA, ou a diminué le taux d'intérêt pour moi dans prêt le placement de mon fait. Parallèlement, ma bonne commission en dollars qui pour permettre que l'ONA ait accès à des revenus en monnaie forte. Le directeur général de l'ONA de l'époque, il dit pourquoi j'aime un type de contrat ça, il fait une réunion des directeurs de l'ONA, à laquelle j'ai participé. Et puis, monsieur présentait le projet. Vous participez à qui titre même? Comme avocat d'entreprise. Ok, d'accord. Comme avocat d'entreprise. Oui, oui. Donc, on expose, on explique, on présente trois scénarios. Chaque fois, commission a augmenté, point intérêt a diminué. Les directeurs de l'ONA ont choisi un taux de 3% en goud, 1,5 de commission en dollars. Oui, oui, ça me donne des. Tant, fini. Léon calcule les projections sous prêt. Il y aurait commission qui représentait 25% des bénéfices de l'entreprise que l'ONA peut vérifier par audit. Dans le contrat, directeur choisit ça. En moins de 2 ans, l'entreprise a versé à l'ONA près de 1 600 000 dollars américains en termes de commission de 1,5%. Mais ils font un bon scandale dans la radio sous 3% en goutte 3 bas. Ils n'ont pas oué 1,5% dollars. En novembre, en novembre, l'ONA, de manière unilatérale, décide de doubler le taux d'intérêt en goutte et d'éliminer la commission en dollars. Vous en avez dit, quand on a fait l'étude financière récemment en novembre, nous regardons, nous rendons compte, dans comme nous baillons l'ONA chaque mois, doubler taux d'intérêt en goutte là avec dollars qui viennent et exploser. Hein? Doubler taux d'intérêt en goutte là, puis vite, que 1,7% commission. Hein? Donc, on a dit, dans l'ignorance, nous n'avons pas compris le yo. C'est donc, au lieu que vous retirez l'argent dans mes entreprises en faveur de l'ONA, vous retirez l'argent dans mes l'ONA, vous mettez dans votre entreprise. Donc, là, nous n'avons pas parlé de taux, nous n'avons pas lu le contrat, pas étudié le contrat, pas les facettes du contrat. Et puis, on a créé les commissions en dollars. Et puis, nous n'avons pas monté. Donc, au lieu que l'ONA, t'es quitté comme une banque centrale à 0% d'intérêt, qui va rapporter rien, l'ONA a intérêt fait des investissements. Bon, ça, c'est ton parenthèse, on t'a prouvé ça, mais on nous fait même, bien que Gampil m'a posé l'autre question. Okay. Pourquoi on est, par exemple, par rapport à la question comme l'ONA, c'est ce que a dit Madame Immacula, et il n'est pas capable, comment t'as fait bénéficier de prêt pour l'âge? Non, vous ne trompez. Par exemple, dans le prêt hypothécaire, dans le prêt hypothécaire, la loi fixe à 60 ans, limite d'âge pour moun fon prêt. Mais prêt hypothécaire, au regard de la loi, son prêt au moun fait pour le fond ti kay, oui. Et c'est aux assurés de l'ONA, seulement l'ONA qu'a fait, oui. Mais quand je fais un placement dans une entreprise, l'entreprise n'a pas réduit à la vie de la personne physique. La loi n'a pas fixé limite d'âge pour les placements faits par l'ONA. Vous n'avez pas une règle. La loi, là, vous n'avez pas les de l'âge là. T'as un bon exemple. Moi-même, j'ai une entreprise qui signe un contrat avec l'ONA, que ma vocale. Moi qui signe un contrat, mourir après quelques temps. Mais l'entreprise continue de payer régulièrement. La vie de l'entreprise n'est pas réduite à la vie de son président, de sa présidente. C'est ça que vous n'avez pas compris. Vous comprenez?
Donc, qui ça l'on a besoin? Ce n'est pas l'âge qu'on a besoin pour un placement. Il a besoin de deux critères, dit la loi. Un, il a besoin de garder si comme la sécurité. Si il n'a pas perdu comme l'IA. Deux, est-ce que comme ça a rapporté un profit? Rendement. Deux éléments. Pas qu'il a fait l'âge. Pas qu'il a critère d'âge. Pas qu'il a fait ça. Non, pour le placement. La loi va dire ça. Ou pas qu'il a dit parole, la loi va dire. Ok. Allez, surtout, c'est pas des sujets à parler. On nous fait, mais sous Petro Caribé. Ok, on nous fait. Mais, Mabjou, nous quittons le à longtemps, hein, mais tellement gagné. L'air est fini? Oh, longtemps. Non, nous finissons longtemps. Bah, non, laisse encore. Même. Bah, mais quoi, non, 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 non. Mais nous gagnons pas. Oui, gagnons ça à tout. Gagnons ça à tout. Mais qu'on y a tellement gagné mon, qui a posé des questions, mon cher, et Mbap Bomati, yo, en pile. Amen, nous prenons 30 minutes supplémentaires pour moi. On n'est pas tout le temps. Non, pas capable. Dommage. Qui l'a gagné sur facturation? Parce que, c'est un ancien ministre qui te répond à une question. Il dit pas qu'il y a un bagage qui fixe et barème ou bien qui fixe prix sur le marché. Comment on fait qu'à 10 sur facturation? Parce que c'est qui ça? Non, non, on va dire ça. Ouais, ça, on va faire le deal là. Moi, c'est ministre, non, le réseau n'est pile dans le Petro Caribé. Ok, d'accord. Ok, oui, la défense est un droit sacré, il peut se défendre. Mais qui t'aime dire? Pourquoi la ministre qu'on est? C'est que depuis le loi, là, des juges qui ont appliqué ou qui ont interprété. Peut-être que l'interprétation que le DJ là, avocat qui a supporté, et peut-être qu'on joue au coup de cassation, qui a vu faire le vin en règle. Mais ça ne va pas dire que je dis que vous n'avez pas appliqué parce que vous n'avez pas contrôlé sur le. C'est pas vrai. Sur facturation, Valérie, si on prend par exemple, m'a acheté rouleau papier hygiénique dans Port-au-Prince. On prend 3, 4, 5 magasins. Yo tout dit moi rouleau papier hygiénique 50 goudes. On garde tabac, Pétionville. Papier hygiénique 52 gouttes, 53 gouttes. Qui j'en pour un homme fait acheter pour l'État pour 10 000 livres 70 gouttes? Est-ce qu'on ou même pour la maman ou d'acheter? C'est pas tout marché haïtien, il va pas d'opres ou d'acheter? Tout magasin va se faire 50 gouttes? Marché fait 52 gouttes? Ça piche à 53 gouttes? C'est tabac? Et puis pour la 70 gouttes? Sur facturation. Okay. C'est-à-dire que une fois que vous avez établi le service que m'acheter, travail que m'a fait dans la pratique dans le milieu, coût unitaire à vos temps, ou même ou liban mon prix qui exagérément plus haut, qui pas justifiable, ou fait surfacturation. C'est facile à établir, et contrairement à sa ministre l'India. Ok. Ok. Maintenant, et vous savez qui dit. J'aime mettre ma distance pour tes précisions tout à l'heure par rapport à la question d'entreprise là. Est-ce que le bar à la pour AgriTrans tout, puisque AgriTrans c'est une entreprise, en général c'est Jovenel Moïse ou Epegle? Non, c'est pas ça. Vous n'avez pas libre, il va libre rapport avec elle là sous premier rapport coup de compte là. AgriTrans, il y a plusieurs problèmes. Premier problème, parce que ce monde n'a concerné premier. Premier problème, c'est que là, nous faisons une entreprise, mon objet social. Objet social, là, m'a mette pour plaisanterie. Moi, dis, société, ça, li là pour faire telle activité. Chaque fois que société, ça, dirigeant, lui, sorti en dehors de objectif, là, ils font l'autre bagarre, ils va pour société, ils travaillent. Ils font affaire, paio! Ils engagent responsabilité, paio! Tant civile que pénale. Dans le cas AgriTrans, par exemple, qui sont sociétés qui l'a pour des activités agricoles, lorsqu'ils ont un contrat pour faire route, ou si on contrat pour faire lampadaire, ou pendant objectif société. Le monde qui est engagé, c'est responsable, c'est dirigeant société. Et dans les contrats, ça, premièrement, oui. Vous avez le principe, ça compte pas, etc. Oui. Premièrement, oui. Et premier monde qui est responsable de ça, c'est Jovenel Moïse, qui est président d'Agritans. Naoum Dorville, moi, qui est secrétaire. Et je dis, je ne sais pas. Oui. Vous gagnez, comment il s'appelle encore, qui est vice-président. Donc, ces dirigeants de AgriTrans, ils ont engagé la société dans des activités en dehors
de son objectif, de son objet, pardon, à ce moment-là, c'est la responsabilité pénale et civile des dirigeants de la société qui se trouvent engagés. Donc, Jovenel Moïse, Daoum Dorville et les autres. Dernière question. Dernière. Petro-Caribé, oui. Est-ce que M. Samuel Madistin a garanti que, à partir de contribution fondation J'éclairé, à partir de contribution série de avocats, à partir de contribution quantité de monde dans la société civile, des monde qui n'a politique, pour c'est ça, à fin pas fait. Bon, moi-même, je vais aller. D'abord, nous sommes qui optimistes. De nature. De nature. Donc, moi-même, c'est ça, je souhaitais, que pour c'est à fait. En même temps, ma naïf, non? Je suis très conscient que pour l'organisation du procès, il faut un certain nombre de choses. Et quand pile là, il y a un pareil. Comme moi, exemple bien simple. Jodi, pas qu'on paye au monde, non? Qu'on amène devant le tribunal de droit commun un président de la République en exercice. C'est-à-dire qu'il y a des formalités à remplir en ce qui a trait à l'immunité du chef de l'État avant de mener devant le juge de loi romain. La présence de Jovenel Moïse au Palais national, son obstacle majeur pour l'organisation du procès pétro-caribéen. Quand il y a un procès à obligé fait tout de suite. Mais Valérie, Baldo Aga, grave là. L'avenir des prochaines élections se joue sur le procès pétro-caribéen. C'est-à-dire qu'on voit jamais nos situations, Valérie, pour qu'on chef de l'État qui est en activité et qui est pénitentiaire national aussi près de lui, non? Pas tout ouvert, l'après-midi. C'est-à-dire que son aigle qui prête à tout pour empêcher qu'elle aille en prison. Il peut tout faire, même tuer. Il peut utiliser les fonds de l'État pour faire élection gagote, pour l'assurer que les jeunes garantissent dans le même monde qui va le remplacer, là qu'elle parle la prison. Donc, il y a un enjeu politique majeur sur l'organisation du procès pétro-caribé que on est dans le monde qui ignore un banaïf. Vous comprenez? Qui sa population a fait, qui énergie qu'a démontré pour que l'organisation de ce procès soit imposée à tout le monde, banié ça à tout comme capacité. Même qu'on limite les tout. Ouais. Parce que la rue ne veut pas tout faire. Parce que dans 4 procès pétro-caribéen, il y a des alliances politiques qui ont fait. Il y a des alliances au niveau national. Il y a des alliances au niveau international. Parce que pétro-caribéen, Valérie, si le procès a fait, Jean-Louis tout est fait. Aïe, c'est dégoûté. Bon, garantis ça. Pour l'argent, il y a une caisse l'État. Moi, c'est pour ça, moi, ça la loi dit. Ouais. Bien cap saisi. Bien cap saisi. Que des mounes la dépense, la loi dit c'est 4 fois la valeur pour restituer. Pour restituer le montant, 3 fois la valeur d'amende. C'est pour tout comme qui gagote dans le pétro-caribé. Pour un procès sérieux, un juge sérieux, t'as vérifié fait, instruction correcte. Haïti t'a décollé. Et puis tout le monde t'a pris le son pour ne pas faire n'importe bagarre. Eh bien, il y a les forces qui s'opposent à l'organisation de ce procès. Qu'on ne doit pas rien à l'arrière à manifester. Mais qui là, qui a agi, qui puissant, qui a l'argent qui a dépensé dans mon exemple bien simple. Le juge d'instruction enquête sur le dossier. Est-ce qu'on connaît que le rencontrer Laurent Lamotte, maintenant, il est identifié comme principal responsable de l'Ocaribé à 5h du matin dans le bureau? Le bureau parle, oui. Le juge là. Le bureau juge là. Okay. De 5h à 8h du matin pour l'auditionner en dehors des heures de bureau. Vous comprenez ça? Ça fait lui. Mais si on inculpé, car il y a pouvoir politique, économique, n'importe lequel, pour le prendre juge d'instruction, pour sauter la caille, pour venir chiter dans un bureau, à 5 heures pour tendre les pieds à l'avion, le souple à tendre pour le voyager, l'assurer, le papa arrêter, le papa rien. Mais là, ça veut dire que prévenu, inculpé de procès, au puissant, oui. On connaît juste ça. Mais c'est ça même, par contre, si c'est vrai, non? Mais dans le rapport fondation, hein, dans l'information tellement venue nous parler de ça, que, ou quand le juge a dit que vous n'avez pas d'information, bah non, depuis la mort, sur devant le juge là, il a construction, il a fait une construction. Hein. Oui, mais ça, on va supposer répéter, c'est au poil, regardez-le. Fait nous-mêmes, dans la fondation, regardez-le. Voilà, déjà, nous, non? Eh.
de informateur fondation. Ah, ok, d'accord. Moi-même, informateur fondation, mes photos. Ouais, mais nous parler de lui et au conditionnel, rapport à ce que nous croyons, c'est que je mérite clarifier. Parce que le pape a fait rousser à tout. Si vous avez des magistrats crédibles, vous décidez tout soupçon, vous avez notre radio, notre internet, notre réseau social, on a parlé, on a parlé où est Figuio, on dit que je là prends 300 000 dollars pour recevoir la mort à tel. Même si ce n'est pas vrai, faut que ça clarifie. C'est ça fait nous demander CSPJ, clarifier ça. Non, nous dit ça. Oui, moi ça. Nous dit CSPJ, il faut qu'il clarifie la question ça, parce que si le juge n'a pas crédible, instruction n'a pas crédible. Pour ça, il n'y a pas de café. Nous faut aimer, non. Nous ne pouvons pas croiser de tout le monde, mais nous pouvons aimer, non. Oui, oui, oui. Vous pouvez oui, oui, bête Baptiste. Et nous battons le corps matin, puisque il est très, très, très dépassé. Merci à vous parce que vous avez été disponible pour nous. Bon, c'est que nous avons fait public la plaisir, d'autant que nous avons une quantité de monde qui a souhaité ça. Et naturellement, nous avons pile de questions. Et vous voyez vraiment que nous avons posé maintenant. Prochaine fois. Oui, prochaine fois. Mais garantie que nous avons une garantie, non seulement à bien reprise l'émission, hein, mais sur Platinum Live là, et l'émission ça va nous rouler en pile. Ça veut dire que pour bon plaisir, pendant et, tout week-end, là, semaine prochaine, je vais rouler, je vais annoncer nous. À qui le, ma peut gagner pour me rediffuser émission ça, capable de rediffuser en pile en pile. Maintenant, dis merci en pile. Passe une bonne journée, à bientôt. Merci Valérie, merci à tout auditeur, à tout auditeur ici d'à côté. Merci à tout le monde qui te souhaité que me dépasse participer à l'émission. J'espère que me pas déçu. Tout à fait. Merci à vous d'avoir suivi cette rubrique. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la rubrique Invité du jour. Plus près de nous, c'est cet après-midi. Vision 2000 à l'écoute. Bonne journée. Au revoir. C'était notre invité du jour. Vision 2000. La Banque de l'Union haïtienne vous